du ministère de la compassion des arts. Il y a le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bénévole ce matin, sous vos acclamations, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète de Nassau Shalom. Que nous acclamons plus fort. Vous les parlez. Avant la paix, vous les parlez. Aïe, j'ai pas de tête. Aïe, j'ai pas de tête. Aïe, j'ai pas de tête. Aïe, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est merveilleux. Il est tout puissant.
Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Plus fort que ça, nous acclamons et nous exaltons le Dieu de la délivrance, le Dieu vivant et puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah.
démon, lui, il est écrasé. On va dire merci à Jésus.
Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Très terrible. Il y a un oiseau qu'on appelle Cricoco en Bethel. C'est un oiseau, lui, sa spécialité, c'est de percer un arbre. Il perce les bois secs, il perce. Cette chanson nous enseigne la persévérance. La persévérance dans la marche avec Christ. Et qu'on est persévérant, qu'on ne lâche pas, Dieu nous donne la victoire.
choses au diable. Le troisième micro. Je vais parler au diable ce matin. Nous avons positionné les bâches. Je pour se réjouir dans le Seigneur. Nous refusons que d'autres bâches soient placées après nous pour la mort. Au nom de Jésus-Christ. Bien que la mort soit naturelle, mais il y a aussi des morts démoniaques. Des morts précipitées par la sorcellerie. Je déclare que tu dois vivre de tes jours. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, tu dois te rassasier de tes jours. Dans le nom de Jésus-Christ, en qualité de prophète de l'Éternel que je suis, je prophétise sur toi. Vive tes jours. Sois heureux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Par contre, que les sorciers prennent votre place. Ceux qui veulent vous manger, qu'ils meurent. Qu'ils tombent. Qu'ils meurent. Nous les matons ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer à les mater, nous allons donner un chant. Très bien. Nous allons donner un chant et le chant embêté me dit merci. Merci parce que tu es bon. Mon genou, c'est Ayo, tu es dans malheur, c'est Ayo, monsieur. Ayo, nous allons dire là, c'est dit merci. Merci parce que c'est toi qui transforme. C'est toi qui donne la victoire. Ayo! Jésus, ayo, bien mon Seigneur, ayo, Jésus, ayo, bien mon Seigneur, ayo, 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 ayo. What? What?
tout à l'heure le meilleur danseur de la Côte d'Ivoire. Ouais, on savait pas qu'il y avait des talents cachés dans ce village. Si tu danses pas à l'église, c'est que tu danses d'en bas. Tu danses pas à l'église, c'est que tu danses quelque part. L'homme est fait pour danser quelque part. Si tu danses pas devant le Seigneur, c'est que tu danses derrière le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce village. Que Dieu vous ouvre les portes. Et que la sorcellerie soit matée. Et que les sorciers soient vaincus. Dans chaque village, dans chaque famille de ce village, nous matons la sorcellerie. Vaincu, la sorcellerie est déclarée ce matin. Bougnon, le diable, tu m'as blagué tout le temps. Mais c'est fini, je ne vais plus te suivre. Je vais suivre le Dieu d'Élie. Dans le passé, tu m'as blagué. Je ne vais plus te suivre. Bougnon, Dieu. Nous allons nous lever ce matin. Je vous ai dit toujours, nous nous introduisons Dieu dans la louange. Ah oui, parce qu'on a compris que lui-même dit, c'est quand le loup là qu'il est présent, qu'il descend. Il a dit qu'il sait dans la louange. Nous ne voulons pas voir un programme où on ne sent pas la présence de Dieu. C'est pour cela qu'avant toute chose, nous louons Dieu. Alléluia. Et n'oubliez pas que le prophète aussi chante de l'Éternel. Moi, je peux chanter toute une nuit, de 22h jusqu'à 5h du matin. Au départ, je n'aimais pas que les chrétiens chantent. Ouais. Et quand je suis converti, Dieu m'a donné le don de la louange. Je le bénis pour ça. Il m'a donné le don de la louange. Très bien. Ça veut dire, moi, à cause de toi, Jésus, les sorciers ne pourront plus contre moi. Cette chanson, c'est une déclaration de foi.
cause toi Jésus, ils ne pourront plus rien contre moi les sorciers. Les sorciers sont vaincus à jamais. Veuillez vous asseoir. N'oubliez pas une seule chose, c'est que Jésus revient bientôt. Et Jésus revient très bientôt. Et ça sera terrible pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Et si tu ne l'as pas accepté, il faut maintenant l'accepter, bien-aimé. Parce que la mort peut être pour toi le retour de Jésus. Jésus Adana Kamwale. Jésus Adana. Jésus Adana Kamwale. Jésus Adana. Jésus Adana Kamwale. Jésus Adana. Jésus fut un disciple. Judas était d'abord disciple avant de devenir prêtre. Il était disciple. C'est par de discipline. Il est devenu prêtre. Celui qui va te livrer n'est pas loin. Je sens que vous ouvrez les yeux. Il faut avoir le discernement. Jésus a nous avons des Judas autour de nous. Ce qui caractérise un sorcier, c'est l'hypocrisie. Il fait semblant d'être avec toi. Or, son cœur veut ta mort. Le feu sur eux ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les pièges, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Et qu'ils meurent. Afin que la famille expérimente la paix. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils ne tomberont pas, vous ne serez pas en paix. Il a failli la mort de Saül pour que David prenne le trône d'Israël. Ceux qui sont assis sur votre trône spirituel, le trône est caractérisé par le succès, par la prospérité, par le mariage. Celui qui assis, le feu sur ses fesses, c'est fait de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vous cède ce matin votre trône. Je suis un prophète. Un prophète ne vient pas pour prier seulement, il prophétise. Ce qu'il déclare, c'est ce qui arrive. Pour ceux qui ont fait des déclarations ce matin, on appelle ça la déclaration prophétique. Ça, c'est l'aurore. Vous le savez très bien.
Un patriarche veut bénir sur le matin. La bénédiction du matin, on appelle ça la bénédiction de l'aurore. Je déclare la grâce de Dieu sur vos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Afin que ce qui a été programmé négativement sur vous soit annulé au nom de Jésus-Christ. Soit annulé au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. La puissance de Dieu repose sur vous. Soyez bénis. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Que Dieu vous bénisse. L'homme est fait du seul qu'il doit avancer. Et quand une personne n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose. Ou on l'a attaché, ou on lui bat le chemin pour avancer. Je vous dis, c'est pas une question de chance. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Tu es né, tu as une destinée. Et dans le mot destinée, il y a destination. C'est-à-dire tu pars de quelque part et tu vas quelque part. C'est comme ça. Dieu crée l'homme. Il lui donne une destinée. Tu nais, tu grandis, il y a des choses que tu dois faire. C'est cela que la Bible dit, au travers de la bouche de Jérémie. Il dit non, je n'ai pas frangé les projets de malheur sur vous, mais les projets de paix et non de malheur.
pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Pendant que le peuple d'Israël était déporté quelque part, subissait des choses terribles et pleurait parce qu'il vivait le sort, Dieu dit non, c'est pas ça. Pour moi, le projet, c'est un projet de paix. Le projet de Dieu sur chacun, sur toi et moi, c'est un projet de paix. Dieu t'a créé pour que tu sois en paix. Voilà que la maladie vient pour te troubler. La maladie vient pour te détruire. On te barre le chemin. On t'empêche d'avancer. Parce qu'il y a la prison physique. Il y a aussi une prison spirituelle. On peut te mettre dans une prison. Mais cette prison-là, elle est spirituelle. Physiquement, on te voit. Mais toi-même, tu es convaincu que quelque chose ne va pas. C'est pour ça que la délivrance, elle se désire. La délivrance, là, elle se désire. Si tu n'es pas délivré, parce que délivrance veut dire libérer. Ton seul problème, tu es encore lié. Si tu es délivré, tu verras la gloire de Dieu. Toi-même. Or, quand on est délivré, on le sent, on vit ça. Les choses prospèrent. Si tu ne prospères pas, c'est que tu n'es pas encore délivré. Jésus dit, la première fois après son jeûne de 40 jours, il rentre dans le temple, dans la synagogue, il prend par chemin le livre, écrit son sujet. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'envoie pour libérer les captifs. La mission de Jésus, c'est libérer les captifs. Le diable nous a mis dans une captivité. Et nous savons que rien ne va. Si tu fais rien, tu mourras. C'est fini, tu vas mourir. Parce qu'il faut que quelque chose soit fait. Tu vas me demander ce matin, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que tu es en train de faire. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Tu vas me dire peut-être que j'invoque le Seigneur. Non. Ici, tout le monde est rassemblé pour ce que la délivrance de la famille. N'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Dieu est obligé d'agir. Vous êtes convaincu qu'il y a un sort. Vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, le sorcier, on appelle lanceur de sort. Voici la vraie définition de la sorcellerie. Lanceur de sort. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Celui qui dit les sorciers, pour lui, est bon. C'est un menteur. Comme son papa Satan. Quand un sorcier, tu détruis. Tu gardes. Ce sera qu'il est demandé au chef. Il y a les sorciers que je vois sous vos bâches ici. Est-ce que je dois les démasquer? Je te donne, donne-moi ma réponse, je vais poursuivre. Et je repose encore ce matin. Et vous êtes parti. Un conseil de famille. Oui. Nous avons pris une décision ensemble. Ce matin, on devait vous trouver à votre domicile. Moi, je suis matinal. Mais vous nous dites que ce n'est pas la peine que vous allez venir. Bienvenue. Okay, ici, donc, la réponse, nous avons estimé qu'il n'est pas nécessaire de dénoncer. Ah. Oui. Parce que dénoncer, ça va pas résoudre le problème. Ça va poser plus de problèmes que de solutions. Donc, nous demandons au Seigneur qu'il se charge de la sentence de ces pécheurs-là. Les tuer. Les sorciers, là. Les pécheurs. L'expression pécheur n'est pas. C'est sorcier. C'est féticheur. Non, sorcier. Oui, ça c'est un fétiche de la sorcellerie. C'est un fétiche de la sorcellerie. Il y a des thèmes qui ont développé tout à l'heure. Donc, tous ces. Ah, les baillés qui je vois là, tu peux les parler par les demandons. Le Seigneur, qui s'en charge lui-même. Ok. C'est ce que vous avez décidé. Oui. Mais vous avez. Non. J'avais émis une doléance. Non. C'est lui qui est chef de famille. Il a parlé. Laisse-moi parler. Donc, vous ne voulez pas qu'il soit dénoncé? Non. Je t'informe qu'il n'y a pas de problème. Ça ne va pas créer de problème.
Comme vous avez décidé, si un sorcier tombe dans la famille, et toi tu fais les funérailles, tu vas aussi mourir. Amen. 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 Non, je te dis une chose. Amen. Non, laissez-moi parler, monsieur. Je suis prophète. Moi, je parle en qualité d'homme de Dieu. C'est vrai que toi, ta titre de chef de famille, moi, ma grade là, c'est plus supérieur à toi. Donc, c'est la décision de Dieu qui prie. Comme vous m'avez posé un problème, vous dites que le Seigneur qui s'en charge, je vous déclare qu'ils vont mourir. Ils vont parler. Ils vont mourir. Non, écoutez-moi. Si vous faites leur funérailles, vous-même vous mourrez. Amen. Ils vont confesser. Ils vont parler bien. Si tu sais que celui qui est le sorcier qui tombe, vous le prenez. Faites comme mes parents douleur. Attachez-le dans une petite natte. Doucement. Vous faites un petit trou. Vous n'êtes pas que son odeur prend le village. Vous l'enfermez dedans. Vous n'êtes pas dépensé sur lui. Il ne doit pas avoir un funérail digne. Ça, je sais bien le faire. Non, moi, je sais bien tuer sorcier. C'est lui qui demande là. Tu as vu Maréchal? Si j'ai le Maréchal. J'ai toutes les armes pour agir. Il nous demande d'agir. Ah, la table du Seigneur. Quand il est dénoncé, mais quand ils vont passer devant moi, j'ai touché les têtes quand même. Hein. Ah oui. Amen. J'ai touché les têtes quand même. Oui. C'est un geste, ça y est fait. C'est moi m'interdit à faire ce geste. Oui, entre le maréchal et le paille au fouet. On lui dit stop. Ta tête, arrête de manger. C'est un décret. La Bible dit, si deux personnes s'entendent, des mêmes choses, elle leur sera accordée. Nous sommes mis d'accord. Donc le ciel est en train de valider. Si vous ne respectez pas ça, vous partez. Sinon, nous délivrons les sorciers. Comme vous ne voulez pas qu'ils soient délivrés, c'est vous-même. Hein? Nous-mêmes, nous délivrons les sorciers. Je vous ai dit, j'ai 8000 sorciers, 8468 sorciers délivrés. Donc, on peut les délivrer. Au lieu qu'ils meurent, vous avez décidé qu'ils meurent. N'est-ce pas? Mais où? Oui, mais quand on les dénonce, on les délivre. Quand on ne les dénonce pas, ils vont sous la terre. C'est bon aussi. C'est bon. Parce qu'ils ont trop mangé. Sans gimbré, voilà. La chair humaine, ils ont trop mangé. Et vous a sauvé matin, hein? Mais vous êtes mal barré. C'est vous ici là, c'est truc, hein? C'est la première fois qu'on me dit qu'il ne faut pas dénoncer un sorcier. Donc comme chacun a sa tradition, c'est pour ça qu'il a posé la question. Parce que quand tu vas quelque part, on te soumet des traditions. Ok. Parce qu'on va s'entendre si les actions qu'on doit mener sont en. C'est vraiment important. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. On s'entend. Comme vous avez dit, vous avez fait une réunion. Bon. Vous êtes même d'accord que le sorcier n'est pas bon. Dis au chef de famille. Vous savez que la sorcier n'est pas bon. Non, vous savez que la sorcier n'est pas bon. Le sorcier n'est pas bon. Vous croyez que ça existe la sorcellerie? Ça existe? Non. Dieu m'a donné ce don de les mettre au pas. Vous êtes là, non? Vous allez arrêter de manger. Vous êtes là? J'ai porté ma casquette de maréchal, je suis venu. Fais des rafles dedans, il allait prendre, tu chutes. Il ne va même pas dire non. Il ne va pas dire non. Si il dit non, il tombe, tu chutes. Arrête, tu chutes.
ce que vous avez préparé contre moi là, vous avez dit que ça a déjoué. On ne peut pas vivre dans une famille et être la base du malheur de la famille. Donc vous là, on va vous éliminer. Le quelqu'un a pris. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Nous allons poser une action prophétique, que Dieu bénisse. Amen. Vous êtes d'accord que les sorciers disparaissent? Amen. 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 Pourquoi ce quartier-là n'est pas trop amen ici, pas trop d'amen. Vous avez peur ou quoi? C'est la bonne. Amen. 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 Hein? Amen. Amen. Vous avez même ces petits qu'on voulait. Amen. 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 Nous allons mettre fin aux œuvres de la société. Amen. Quand j'ai une épidémie, l'État déploie les moyens dans la zone. L'OMS déploie les moyens. On a vu l'Ebola, une maladie qui a attaqué la Guinée, qui a attaqué Libéria, Sierra Leone. L'OMS a déployé de l'argent, les moyens pour éradiquer. Et l'Ebola, ça, c'est fini. Après ça, on mange la couture aujourd'hui. Sinon, la couture, là, on mangeait pas. Mais moi, il mangeait. Moi, il mangeait. Ça, c'est Ebola, là. Je suis anti-Ebola. Je suis dans la couture, non, il mange la couture. Donc, quand il y a un fléau, il faut éradiquer ça. Faut pas vivre avec. Quand il y a un problème, on ne vit pas avec. On résout le problème. Nous sommes venus pour résoudre un problème. Amen. Il a prié. Et puis il résout un problème. Nous prions tous. Nous sommes dans les églises. Mais la société ne déménage pas. Donc il y a une action qui doit être menée. Pour dégager la sorcellerie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le prophète, à la parole de Dieu, était un voyant. Je vous ai conté mon histoire. D'où est venu ce don? D'où est venu ce don? Je vous ai expliqué. Le prophète, c'est celui qui a la capacité de voir les choses. Le prophète, est je vois, le jeune homme là, il est dans une bouteille. Le monsieur là, c'est quelqu'un qui est né avec une étoile. Il doit réussir. Le monsieur, il va aller en Angleterre. Le monsieur, c'est quelqu'un qui doit réussir dans sa vie. Il est né avec une étoile. Mais ils l'ont mis dans une bouteille. C'est vrai. Ils l'ont mis dans une bouteille. Mais on va te délivrer. Tu seras délivré. Vous avez compris. Vos bouquets là, c'est pas facile. Comme le chef de famille dit, il ne faut pas y attraper. Je vous regarde droit dans les yeux. Et je vous parle. Qu'on est dans une famille. On doit bien penser pour la famille. On va chercher le bonheur pour envoyer dans la famille. Vous c'est le contraire. Échangez. Vous c'est le contraire. Vous partez chercher malheur pour venir faire pleurer les gens. Et les morts, c'est des morts atroces. Les gens qui meurent par accident. La plus pire des morts, c'est la mort atroce. Le monsieur souffre puis meurt. Et ça, quand on apprend ça, ça fait mal à tout le monde. Et c'est ce que vous faites toujours ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Si vous ne voulez pas vivre, laissez les gens vivre. Si vous ne voulez pas vivre, laissez les gens vivre et jouir de leur destinée. Ne précipitez pas leur mort. Bon, ça va s'arrêter à partir d'aujourd'hui. C'est fini ça. Amen. Ça arrêtera à partir d'aujourd'hui. Nous allons mettre fin à ça. Quand il dit fin, c'est fin. Voilà. Quand il dit fin, c'est une fin à ça. Amen. Jésus, là. Jésus. C'est son temps. Vous avez régné tout le temps la sorcellerie. Vous lui dites quelque chose? Elle est où? Elle se décide.
elle s'est déclarée sorcière. Elle, moi, c'est pas qui l'a désigné. Moi, papa. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est une grande reine. Et moi, tu vas y voir mes familles. C'est Bayoukoué, mes grands-grands. Tu es sorcière. Bon, qui veut délivrer parmi vous les sorciers? C'est vous qui avez ouvert, ça. Parce qu'on n'a pas demandé à tout le monde aussi. Qui est sorcier qui veut changer? Il va venir en le délivrer. Sinon, je vous donne 5 minutes. C'est vous qui avez les sorciers, j'en ai les tués, ça non? Non, elle s'incarne. Moi, ma délivrance, c'est question. Réponse. Pour qu'un sorcier soit délivré, on peut lui poser des questions. Quand il parle, ce qu'il a fait, ça le libère. Tu es sorcière. Depuis que je suis là, il ne s'envole pas, c'est fini. J'ai brisé tout ça. Tu veux délivrer? Oui. Tu es sorcière? Oui. Comment tu l'appelles? Je veux Joël. Comme moi. Joël veut dire l'éternel est Dieu. La définition de Joël. Dieu est Dieu. Tu es Joël et puis tu es sorcière. Où t'as mis pour toi là? C'est ma grand-mère qui m'a donné. Est-ce que vous. Elle est française, elle est née en France. Comment elle t'a donné? Elle m'a dit de tuer ma maman. Non. Et moi, c'est gars, à maman. Peut-être qu'elle n'a pas compris la question. Quand tu es devenu sorcière, qu'est-ce que tu as fait? Il a tué mes petits frères. Comment elle s'appelait? José. Elle était de quelle famille? Gros. Tu l'as tué comment? Il a transformé en poulet. C'est toi-même qui dis tu vas être délivré. Maintenant, il faut être libre de tes mouvements. Comment tu transformes l'homme en poulet? Voilà. Comment tu vas la nuit? Je m'envole. Tu es devenu oiseau maintenant. Tu t'envoles comment? Il m'envoie comme un oiseau. Comment, quel oiseau? Je vais aller à l'école. C'est quel oiseau tu prends?
Oh, elle se transforme à hibou. Parce qu'il y a les gros yeux là. Je sais pas ce que tu fais. Elle n'a qu'à m'aider à faire les aveux. Parce qu'elle a tué beaucoup de personnes. Voilà, c'est pas une petite sorcière. Je suis en train d'accepter. Donc, il faut lui dire qu'il aller vite, vite, tellement. Pour qu'on puisse suivre les choses. Et quand tu arrives là-bas, tu fais quoi? Quand j'arrive là-bas, je m'assois sur eux. Comment tu rentres dans les maisons? Je m'arrête devant la porte. Moi, je m'assois. Il me transforme en un serpent. Elle se transforme en serpent. Quand elle devient hibou, elle arrive là-bas, elle se transforme en serpent. Et tu rentres dans la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Quand je m'en vais, je m'assois. Ne filmez pas les portails, s'il vous plaît. Arrêtez de filmer. Quand tu fais quoi? Quand j'arrive là-bas, je m'assois. Tu les tues? Oui. Quatre maisons, mais où? Donc, quand tu vois comme ça, la nuit, tu as ton travail. Oui. Vous qui aimez chercher les petites filles. Vous avez vu? Vous avez vu? Maman, tu es belle, hein? Maman, tu es belle. On n'est pas, puis tu vas dormir une sorcière. Elle va boire ton cerveau comme des gars. Vos yeux brillent, on est les gars qui travaillent la CIE. Quand vous voyez quelqu'un, une petite fille, vos yeux brillent. À cause de la sorcellerie, méfiez-vous. Je connais une fille comme ça. À grand là-haut. Elle, quand tu dis maman, elle s'arrête. C'est toi qui l'as cherché, non? Qu'est-ce que tu veux? Dis, je t'aime. Elle dit, ok. Tu m'aimes, non? Tu veux faire quoi? Excusez-moi, je veux faire l'amour. Allons-y. Elle ne s'est pas dit non. Quand vous arrivez dans la chambre, excusez-moi. Pendant que tu fais l'amour avec elle, toi-même, là, c'est dans ton anus ton temps de faire l'amour. On avait sodomisé. Quand tu finis, là, ton anus va sort. Quand tu vas aux toilettes, tu fais 4 heures du temps. On a une femme qui attend d'accoucher. Elle a distribué Coco la parfait. Donc fais très attention. Tu as ta femme. Elle est ici. Pour t'accrocher à elle. Mettez-vous là. Amen. Sorcellerie, c'est pas écrit sur le visage. D'ailleurs, la stratégie du diable, c'est de vous mettre dans l'ignorance la plus totale. Il donne maintenant beaucoup aux enfants. Beaucoup. Elle est choquée, je vous dis, mais ça vous choquait. Il y a une école de sorcellerie ici. Il y a un marché de sorcellerie. Dans le village. Voilà. Beaucoup d'enfants sont initiés. Beaucoup d'enfants sont initiés. Ils sont dedans. Mais comme je ne suis pas venu pour le village, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà, ce que je pouvais faire, j'ai fait. Mais comme je suis pour cette famille, on va délivrer cette famille. Parce que la délivrance a ses désirs. La famille qui a décidé, on va aider. Mon souhait c'était de faire deux pieds de coups. Une pierre de coups. C'est-à-dire, je délivre, puis j'allais poser une action dans le village. Bon. Donc tu te transformes en serpent. Et tu as tué ta maman. Comment? Tu l'as transformé en quoi? En poulet. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé? Quelle partie? Ses pieds. La cuisse ou ses pieds?
Le sorcier ne mange pas de poulet, il mange cuisse de poulet. Tu vas délivrer ou tu vas délivrer? Je suis le maréchal de la brigade. C'est une opportunité pour toi. Parce que moi, c'est mon travail. Je sais ce qui sorcier mange, ce qui ne mange pas. Toi, tu vas avoir un gros poulet là et ses pattes là, tu as mangé. Toi, tu as tué. Tu as tué. Qui est la cuisse dedans? C'est ça? T'as tué qui encore? Ils sont où? Ils sont décédés. Tu peux me donner le nom des frères décédés? Non. Tu les as tués comment? Quand ils étaient bébés. Ils étaient bébés comment? Tu les prenais comment? Tu les as cherchés. C'est la nuit, ça les prend. Hein? C'est la nuit, ça les prend. Il y a pas un gars qui va. Mais toi-même, là, tu es un kiki. Et moi, à qui blague, mais à qui assoie. Tu vois ça? Tu es un kiki de sorcellerie. Tu deviens comme femme, mari de nuit et tu couches les gens. Pourquoi tu te passes ça et tu dis des petites choses bizarres? Tu veux délivrer. Je suis en train de tester. Quand tu veux délivrer, il faut dire également qui tu es. Comment le kiki est venu? C'est ma grand-mère qui m'a donné. Elle t'a donné ça comment? Hein? Comme dernier, je n'ai pas vu. Toi, tu es femme, et puis il y a Kiki qui vient. Ah bon, moi, Kiki, là. Au moins, il y a ce mari qui a. Oh! On dit, tu veux délivrer. C'est pas là? Ah, tu veux délivrer? Moi, si je vois, il y a des choses, je vois, je parle. Moi, je dis rien depuis. Tu ne parles pas? Ah, moi, je non. Quelqu'un qui a tué jusqu'à 43 personnes. Moi, c'est mon don. Quand tu viens, quand tu es sorcier, ce que tu as fait là, il y a déjà ça. Ton visage, c'est comme un écran. Il y a déjà tout ça. Est-ce que toi-même tu veux délivrer? Hein? Je ne suis pas les pasteurs bizarres. Et tu vas parler et puis ça reste comme ça. Et moi, il sait qui tu es. Tu prends Kiki là pour faire quoi? Comment tu fais? Quand tu vois une femme, ok, la nuit là, allez faire l'amour avec toi. Tu es là la nuit? Il y a quelqu'un qui fait l'amour avec vous. C'est les esprits, hein? Il n'y a pas un esprit de mari de nuit. C'est les sorciers qui prennent le visage de quelqu'un comme un homme et qui font l'amour à vous. Et en faisant l'amour à vous, on gâte votre chance. C'est pour ça qu'on vous donne fibrom. Parce que quand le sorcier éjacule en vous, ça vous donne fibrom, ça vous donne des complications de ventre. C'est pour ça, avant de dormir, le psaume 4, verset 9, répétez ça avant de dormir. Le psaume 4, verset 9. Comment tu fais pour faire l'amour? Moi, c'est la condamnée. Hein? Pourquoi je tombe sur les femmes? Je tombe sur les femmes. Pourquoi je tombe sur? Toi, tu es femme, tu as pour femme. Maintenant, pour garçon, là, comment ça se manifeste? Il est actif là. Vous voyez comment vos fétiches là, ça m'a blessé hier? Moi, mon propre ça. Ça risque ma vie souvent pour sauver les gens. Ah oui, il y a un gars. C'est comme ça. Ouais, on risque la vie. Vous les sorciers là. Vous allez mourir. Et tu couches avec. Je te demande. Moi je ne suis pas venu pour jouer toi. Non, sorcellerie, ce n'est pas un jeu pour en prendre, puis on va te cajoler. Non. Moi je vais commencer mon travail, on dit non, il y a quelqu'un qui va parler. Donc j'ai stoppé mon travail. Donc il faut parler. Tu es venu pour parler, parle.
Tu as Kiki, tu ne parles même pas de ça. Il faut pas venir me fatiguer, moi je parle à ta place, non. C'est toi qui as fait ce que tu dois parler. Donc tu as gâté beaucoup de femmes. Hein? Comment tu as gâté? Il y a sorcellerie, il y a pas, la mamie, il n'y a pas grillage. Hein. Grillage prend pas ça. Vous mangez deux fois. Vous mangez pour nous, vous allez manger pour vous. Mais c'est fini. C'est fini ça. Vous n'allez plus manger. Parce que tout le monde sera chouillé empoisonné. Vous n'allez plus manger les gens. La sorcellerie gâte la vie des gens. Il peut te donner un esprit. Il peut te donner la prostitution. Il peut te donner une vie bizarre. Et te pose ça. Quand vous voyez une personne en train de vivre une sale vie, ne vous moquez pas de la personne. Parce que personne n'a souhaité vivre une sale vie. On peut venir changer ta vie. On la prend et on te donne une autre vie. Pour que les gens te rejettent. Et les gens pensent que tu fais exprès. Non. Parce que ton âme est enfermée quelque part. Comment ce frère? On va lever la fermeture. Tu vas réussir. Amen. 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 Vous voulez qu'elle parle, mais regardez comment elle est en train de jouer. C'est là, elle donne maladie aux gens. On appelle sereine. Et puis qu'est-ce qu'elle fait là? Elle prend aussi le sang de l'homme et puis elle boit. Pourquoi tu ne dis pas tout ça? Oh. C'est pas toi, Ivan. Pourquoi tu ne dis pas tout ça? Mais je suis venu à là-bas ou bien? C'est pas Divo. Ici, il n'a pas fait de Divo. Où est-ce que tu as dit? Il n'a pas fait Divo. Il n'y a pas de Divo ici. Sous la terre. Selon la terre. Ici, il n'a pas fait de Divo. Divo là, c'est quand on est d'accord. On envoie à Divo. Maintenant, où dit? Anakal amena Mortani. Chez nous, Mortani, ça veut dire chez les morts. On va aller chez les morts. Mettez-la en la main sur la liste. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu fais? Demandez-lui, pourquoi il ne dit pas? Monsieur, c'est vous qui m'avez demandé d'audience. Vous êtes là où il y a des filles, on vous gâte vos chances. Les bons gens qui vont marier là, on fuit. Les gens qui savent, c'est eux qui vous voyez. Les gens qui vont boire vos sang. Donc prendre deux, trois enfants dans votre corps. J'ai une femme qui a deux, trois enfants, c'est fini ça. Il faut un miracle de Dieu pour avoir un mari. Si le mari va s'engager, il sera obligé d'être père de trois enfants d'abord. Lui, maintenant, il n'a pas encore enfants. Elle parle où elle parle pas. Demande-lui sa seringue. C'est quoi ça? C'est son papa. C'est son papa. Vous êtes venu avec elle? C'est mon cousin. Pour qu'elle soit délivrée. Super. Mais elle fait un pas devant, 10 pas derrière. C'est pas bon. C'est pas bon. Or, il y a des choses qu'elle doit dire. Qu'elle dit, ça la délivre. C'est un piqué quand ils sont à l'hôpital et puis je me veux la tuer avec ça. Et moi, quand ils sont à l'hôpital et je me trompe à aller la tuer avec ça. Qui va à l'hôpital? Quand les gens sont à l'hôpital, les médecins qui peuvent faire ça. Je me trompe à aller la tuer avec ça. Mais pourquoi tu es venu devant ici, tu n'as pas parlé ça? Il y a moi, à quoi d'autre, là, pour aimer son nom, il y a moi, ça qui va qu'un sourire. Qu'est-ce que tu veux au juste?
Où tu as mis sa piqûre là? Où est son père? Bla. Elle me dit, elle est d'être. C'est où? C'est chez nous, à Kodata, à Bafi. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton papa? Que j'ai piqûre. Faut comprendre ça pour venir voir le prophète. Les sorciers sont jamais sincères. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est à cause de ma grand-mère. Grand-mère là, tu mets tout si elle est. Bon, c'est grand-mère qui veut délivrer ou c'est toi qui veux délivrer? Là maintenant, il n'y a plus de pratique de sorcellerie. Toi, tu veux délivrer. Donc, tu dois dénoncer. Tes arsenaux de sorcellerie, tu devais envoyer sans principe. À part elle-même, il y a deux jeunes filles sorcières parmi vous. Mais c'est la vérité. Hein? Vous voulez qu'on la délivre? Laissez-moi faire ma chose. Faut expliquer. Bon, moi je t'ai déjà donné ce que tu fais. Dis-nous encore des choses. Après, on continue. Si tu ne veux pas parler, moi j'arrête. Moi je parle là pour ça. J'ai posé une question, dis non, on va laisser les sorciers. On peut les tuer. Donc moi j'ai validé. C'est cette option là qu'on est en train de faire. Parce que c'est difficile d'écouter sorcier. Mais on t'écoute, hein. Merci, Fati. J'étais là-bas, il se partait tuer ma grand-mère. Quelle grand-mère? La soeur de maman. La grand-mère de maman. Et moi, il y a une blague à l'ONI à Blacoguni. C'est-à-dire, toi, tu ne dis même pas. À part de quoi c'est ça? Les vraies choses que tu fais. Et pas banga, il y a comment? Il se souvient de la guerre. Oh! Tu provoques l'accident. À propos, il y a un accident. Il y a des choses que tu dois dire. Il y a les terrible, mais tu parles. Une vieille, tu la tues, ça fait pas genre. Tu as tué une vieille, ça fait quoi? Tu as maillé la chair d'une vieille, ça fait quoi? C'est quand tu tues jeune comme. Voilà. Oh, une vieille, tu l'as tué. Bon. Son papa vient. C'est une chance pour elle, hein. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui délient les sorciers. Hein. Moi, c'est mon temps. Je dors dedans, je me réveille dedans. Tu as fait quoi, ton papa? Allez, assis. Je voulais le détruire. Hein? Tu l'as détruit où tu voulais. Détruire, tu viens le faire. Je voulais le faire, mais j'ai dit, je ne veux pas. Attends, pourquoi je voulais moi? Depuis quand sorcier refuse de faire? Lui, le même, tu l'as attaché. Il va voir qui tire. Quoi qui tire? Le 6 mai, il est mort. Il va mourir d'un accident. Lui, il est là. Mais, c'est pas ça? C'est pas toi, il parle. Non, on est là. Mais pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Comment tu as attrapé ton papa? Tu l'as envoyé où? On le tue. Tu as déjà programmé. Tu es venu pour jouer nous ou bien tu veux confesser? Bon, ouais, on te force à parler. Mais tu n'es pas sorcier. Hein? Tu n'es pas sorcier. Hein? Mais tu es sorcier, faut dire. Papa même qui t'était, tu l'as attaché. Pour le manger. Sauce d'umbré. Parle, le voici. Il a attaché de l'autre camp. Hein? Comment tu allais le prendre pour l'attacher? Et puis tu l'as pas dit. Comment créé.
Hein? Pourquoi tu ne commences pas par là? Et puis tu veux que moi je parle. Tu me fatigues. Moi j'aime pas ça. On dit tu vas parler. Oh, si moi on me dit tu chutes, attrape, j'attrape. Et puis je te donne les preuves. Voici ce que tu as fait. Si tu nies, tu tombes. Arrête. Ce matin là, j'attendais. Le chef a dit oui. C'est toi qui me suis habillé, ma maréchale. J'ai laissé toge là. Robe là, j'ai laissé ça. Il ne faut pas que ça me fasse. J'ai laissé robe là. Je me suis habillé en maréchale. Parce que là, ça commence à être sérieux. Ou même vous avez essayé la nuit, vous avez dit ça va marcher. Et me cherche. Je les regarde. Je vous mate, vous allez comprendre. Frère. C'est tout. Sorcier! Quand quelqu'un ne témoigne pas, tu le parles mal. Je chante du mal, vous êtes vaincu. C'est comme ça, quand quelqu'un ne témoigne pas, tu l'insultes. Ça me fait mal de voir des gens qui vivent leur vie paisiblement, et puis d'autres personnes cherchent à les tuer. Amen. Ça nous prend du temps. Hein. Je vais faire mon travail, ça nous prend du temps. Chef, ça nous prend du temps. On n'a qu'à l'envoyer à Mauritanie. Mais on ne va pas l'obliger. Elle n'est pas venue ici pour la force. Oh, on te force ou bien? Non. Parlons du monsieur. Il y a bien gars. C'est qui? Qu'est-ce que tu as fait? Il a détruit bien et puis maintenant tu veux le manger. Tu as fait quoi sur lui? Avant de l'attacher pour le manger, qu'est-ce que tu as gâté d'abord? Avant d'aller l'attacher. Lui, il t'a fait quoi? Je dis, je vais gâter son travail. Hein? Gâter, tu as tout gâté ou bien tu veux? Ben, ton français tu parles, c'est quand tu n'as pas fait. Bon, parle baoulé alors. J'ai gâté son travail et j'ai gâté sa vie. Comment tu as gâté le travail? Moi j'ai une question, je suis expert en poser des questions. Je sais, quand il s'allait le chercher, il s'allait. Et puis je l'ai attaché, j'ai comme ça fallu que je vais gâter son travail. Il ne va plus jamais avoir faim. Il ne va jamais avoir enfant. Et moi, vous fallait, grâce à qui, et moi, ce diamant bravo, et à ce diamant bravo. Et puis après? Et après, quand il a fait, il a dit, je lui ai dit non, il va le tuer. Il y a un autre qui a dit, il courait, il a conseillé. Donc tu as fait quoi? Ah, c'est. Donc je l'ai attaché. Moi, je l'ai dit. Je suis mais c'est pas quel jour. Excuse mon chef. Demande-lui. Moi où c'est? C'est qui elle dit là? C'est vrai ou c'est faux? Je veux voir sa sincérité. Non, 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 c'est moi la dit. Mais à quel Naola? Elle dit c'est la vérité. Mais pourquoi elle explique? Quand elle fait comme ça. Hein? Oh, la maison parle beaucoup. Hein? À la maison parle beaucoup. Mais elle est maréchale, elle est devant son mari. Elle est devant le mari. Si quelqu'un a un guignol là, il faut regarder les papas. Eh, moi, je suis pas là. Il y a bien un bel mari. Eh, pas blablabla. Moi, attends de parler vite. Il faut parler vite. Et je suis allée chercher ma tante pour l'augmenter, pour doter sur son travail. C'est quelle tante? Elle n'est pas ici. Et moi, je vais tante, coucou là. Elle va ouvrir une sur le côté de son travail. Donc, la elle ne travaille pas. Elle est mariée, elle ne fait pas d'enfant. Et moi, elle va là. Elle va là.
Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sandrine. Elle est où? Elle a gagné. Ouais, dans ton papa, ça, venez monsieur. Là. Dans ton papa, il t'a fait quoi? Moi, si, il a rien fait. Moi, elle que vit. Pourquoi tu veux gâter sa vie? Pourquoi tu as gâté sa vie? Moi, ça qui gâte ça. C'est moi qui ai pris cette décision. Hein? C'est moi qui ai pris cette décision. Mais justement, qu'est-ce que t'as animé à prendre cette décision? Il y a moins de rien. À quoi il y a fait son nom? Hein? Il m'a rien fait. Moi, elle que vit. Vous avez bien compris? Donc, ça dit les sorciers travaillent. Il n'y a pas de raison. Il a envie de détruire. Il n'y a pas de raison. C'est cela qu'il faut combattre la sorcellerie. C'est cela qu'il faut combattre la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'a pas de raison. Acceptez Jésus. On ne peut pas vivre sur cette terre et puis ne pas avoir Dieu dans sa vie. Quand on n'a pas Dieu, c'est comme ça les sorciers nous mangent. David dit, l'Éternel est mon berger. Toi, tu es poulet sans propriétaire. Et comme sorcier veut manger, ils vont te faire sauce gumblé. Mais Dieu est merveilleux. C'est cela qui t'entend d'échapper. Si on n'échappe jamais au pied de Jésus, on n'échappe jamais au pied de la société. Jamais. C'est pour ça que nous combattons la société. Parce que les pièges, quand ils tentent ça, tu vas tomber. Ils sont persévérants. Chef, tu as gâté mon travail maintenant. J'allais attraper bonbon sorcier. J'allais attraper bonbon sorcier. Les non-mémiles qui sont là, là. Elle est marmite de sorcellerie. Mettez-vous en genoux, je vais prier pour vous. Odo. Faut dire. Non, laisse. Faut dire à ton père que c'est fini, tu le laisses. C'est fini, je te laisse. Regardez. Regarde-le. Dis-lui, faut pas faire comme un petit coup. Moi, je fais mon travail. Papa, je te laisse. Parle dans ton tétini, tu vas bien parler. Moi, je te laisse. Papa, je te laisse. Non, c'est pas comme ça que je voulais qu'elle s'exprime. Quelqu'un dit, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait sur toi. Mais à partir d'aujourd'hui où Dieu m'a démasqué, il arrête cette action. Et je demande à Dieu de te délivrer. Et moi, je vais entendre ça toujours. Je te laisse. Je vous ai salué. Moi, Amérique. J'avais envie de vous saluer. Moi, Hein? Allez, me remercie. Ok, remerciez-moi. Allez, assez. Vous me remerciez. Non, pas l'embaoulé. Parce que c'est pas bon que personne meurt. Le monsieur, il n'a rien fait. Tu reconnais qu'il n'a rien fait. Encore pire, c'est ton père. Donc tu n'as pas de raison de le tuer. Et puis tu le détruis. Pourquoi vous les sortiez là? Vous envoyez malheur seulement. On vous a mis au monde là. Donc on a mal fait. On est parents là, on a mal fait. C'est ce que je fais, a dit. Parle. Quand? Donne-moi ma bouteille d'huile. Je t'ai nettoyé. Ouais, parce que les prières comme ça, ça se fait avec lui. On va verser l'huile, le noir dans lequel tu es là. C'est fini. Ta lumière va commencer à briller.
Vous l'écoutez, non? Il n'y a pas de ceux qui sont baillés de temps. Elle dit, où l'a envoyé, l'a attaché, l'a transformé et l'a gâché sa vie là. Aujourd'hui, elle est en train de le libérer. Détaché où là? Elle ne peut pas le détacher. Elle a dit, Dieu n'a pas le délivrer. Elle s'est fait détacher quelqu'un. Vous n'avez pas vu son chien qui est détaché. À peu près, il y a un guillemet. Non, vous n'avez pas un guillemet. Il y a un Dieu aujourd'hui donne à Dieu, que Dieu le libère. Bon, je vais prier pour toi. Ah, c'est la même. Passe à une parole après. Non, il voudrait. Lui-même, il le sait. Il avait mouru. Il le sait qu'elle est sorcière. Non, qui en a attaché? Non, là, il dit. Ah, elle sait, mais lui. Mais là, c'est lui. Il est assis à Kadio. Tu as compris? Attends. Quand elle finit de parler. Ah, oui, quand même. C'est bon, hein? Moi, tu pas. Est-ce que tu la moyens pas là-bas là? Après, mais ouais, non, là, on quand même, ben. Tu la moyens pas. Là, ça va bien, alors. Quand tu as frappé pas, tu vas pas pas. Sauce pour la là cette fois-ci. Vous êtes du bruit. Ça devient pour la là. Tu as compris? Aïe, après, à sourire, à sourire. Dieu va entendre te sauver. Si tu attendais, c'est votre frère. Entre combien y a qui est? Ce qui a fallu se passer, c'est une action de Dieu. Pour vous délivrer. Vous avez compris? Je prie devant Dieu le Père et Dieu le Fils du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, en versant cette huile sur toi, l'unction, je brise toute présence et la sémence du diable dans ta vie. J'annule toute programmation de mort sur ta vie. Au nom de Jésus. Et je proclame la puissance de la résurrection de ton âme. La puissance de Dieu te délivre ce matin. La mort n'a plus de raison sur toi. Le diable est vaincu. Ses œuvres prennent fin. Là où ton âme était attachée, je brise cette chaîne. Je libère ton âme. Reçois ce matin ta délivrance. Le feu dans le camp ennemi proclame la puissance de Dieu qui te libère. Les chaînes tombent. Je proclame que tu es libéré ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez vous asseoir là. Pour progresser. Bon, pour avancer, il faut qu'on l'envoie à Divo. Ouais, comme ça, on va faire un bon travail. Parce que ça prend du temps, ça. Oh, mes heures sont en train de passer. Mais je dois faire mon travail. Amen. Va t'asseoir. Vous m'avez compris? Chef de famille, j'ai un camp où je délivre les gens. Envoyez la divo. On va l'aider. Elle sera délivrée. On va l'aider. Parce qu'elle a beaucoup à dire. Et ça va nous tenter de nous prendre du temps. Son enfant. Qui la menace là-bas, hein? Très bien. On n'est pas conduit à le prophète. Il a fait ce qu'il voulait. Nous, on ne voulait pas que ça soit comme ça. C'est pour ça qu'il le demande toujours. Il dit à où ça? Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9 à 22. 2 Rois,
chapitre 2, le verset 19 à 22. Tout ce que je suis en train de faire, je puisse dans la parole de Dieu. Faut pas demain t'as dit le prophète Crasso, c'est un pétitionneur. Un pétitionneur ne parle pas la parole de Dieu. Voilà, parce que vous aimez bien, vous ne retenez pas les bonnes choses des gens, c'est les mauvaises choses que vous retenez. L'homme est toujours comme ça. Je viens de sauver une vie. Un pétitionneur ne peut pas sauver la vie de quelqu'un. Ils n'ont pas le pouvoir de sauver les gens. Amen. Donc écoutez la parole de Dieu. Deux Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 22. Souviens-toi de la lecture. On y va. Les gens de la ville disent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit. Apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'approuvait plus ni mort. Ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Amen. Jusqu'à ces jours. Alléluia. Amen. Écoutez la parole de Dieu. L'histoire d'Élisée. Élisée est le fils spirituel d'Élie. Il y a Élisée à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et Élie. Il y a Élie. On l'appelle Élie le Tishbite. Il y a même frère Élie le Tishbite. Il fut la deuxième personne, selon la Bible, qui est mort sans être enterré. Il y a eu d'abord Enoch. Il y a eu Enoch et puis après lui. Quand Dieu a appelé Élie, c'est Élie qui a lancé un défi au prophète de Baal. Élie a prié, le feu est descendu. Voilà. C'est Élie là. Dieu l'a appelé. Et quand il partait, il est parti dans un champ de feu. Et la puissance qui était sur lui est descendue doublement sur Élisée. Quand son maître est parti, il allait séjourner dans une ville. Parce qu'il devait démarrer un ministère. Donc il allait à Jéricho se reposer pour voir clair dans sa mission. Quand il arrivait à Jéricho, les gens de Jéricho constatent que le monsieur là, il n'est pas comme nous. Amen. Il n'est pas comme nous. C'est lui qui a la clé, la solution à notre problème. Les prophètes ont la clé, c'est eux qui sont les clés. Cette maison là, elle a une clé. Elle a la clé. La voiture a une clé. Chaque voiture a une clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir. Ce n'est pas tout le monde qui a cette onction de régler les choses. Donc les gens approchent Élisée. Vous dites, c'est vrai, tu es venu dans la ville. Tout est bien, mais nous avons un problème. Le problème que nous avons dans ce village, dans cette ville, toute fois qu'on boit de l'eau, ça nous tue. Le pays est stérile. Tout ce qu'on plante ne reçut pas. Tout est bizarre dans cette ville. Amen. Regardez la réponse d'Élisée. Une réponse très banale, mais qui va apporter beaucoup de choses. Élisée va dire, donnez-moi un plateau. Donnez-moi du sel. Sinon, d'autres diront, dit, bon, on va prier. Le prophète n'est pas un prieur. C'est la portée de solution. La chose qu'il doit faire pour régler le problème, c'est ce qu'il a fait. Lui n'est pas pour prier, il vient pour régler. Donc il a une action. Il dit, donnez-moi le plateau. Donnez-moi du sel. Et il va à la source. Il n'est pas parti avec tout le monde pour chasser l'esprit de Mami Wata dans l'eau. L'esprit de Mami Wata sort. Ils ont attaqué l'esprit des eaux. Non.
Il ne s'est même pas occupé d'un esprit. Il n'a pas parlé à un esprit. Mais il a ordonné que les choses changent. Amen. Il a ordonné que les choses changent. Il dit à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Amen. Donc, il a versé du sel et ça a réglé le problème. Alléluia. Nous sommes à la source. C'est ici la source. Il y a trop de vilaines choses dans vos familles. Trop de conneries. Trop de pratiques. Il y a trop de vilaines choses. C'est la source. Je suis venu donner une parole pour que les choses se normalisent. Les choses vont se normaliser. C'est ce que je vais positionner comme action prophétique. Prier, on a déjà trop prié. On va parler. Élisée a parlé. Le prophète. Il parle. Nous allons toucher la parole là, même dans le ministère d'Élisée. Que nous révèle le ministère des prophètes. Dans même deux rois, mais le chapitre 5 cette fois-ci, à partir du verset 9. Il faut que je vous explique les choses. Parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas la Bible. Il faut que je vous explique. Amen. Deux rois, le chapitre 5, le verset 9. Comment le prophète travaille? Naaman vient avec ses chevaux. Il y a un monsieur qu'on appelle Naaman qui est venu. Et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire par un messager. Va. Va. Et lave-toi sept fois. Dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Ça lui fâchait. Et il s'en alla. Il est parti. En disant. Voici. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main. Sur la place est guéri. Très bien. Les fleurs de Damas. L'Abana. Et le papa. Ne va-t-il pas mieux que tous les autres d'Israël? Très bien. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Très bien. Et il s'en retournait. Et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair, le devient comme la chair d'un jeune enfant. Alléluia. Et il fit pur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voyons encore une autre pratique de Élisée. Cette fois-ci, il est en plein ministère. Tout à l'heure, il venait de commencer. Mais il était en plein exercice de son ministère. Donc il avait des élèves prophètes autour de lui. J'ai un monsieur qu'on appelle Naaman. Et ce Naaman là, il n'était pas juif. Il était syrien. Mais en même temps gradé, un responsable qui est frappé d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Or, cette maladie était une maladie incurable à cette époque. Il fallait guérir. En cas de guérison, il va se rendre en Israël. Il va voir le roi du nom. C'est Élisée qui a le pouvoir de te guérir. Donc le monsieur, il va chez Élisée, arriver devant la porte d'Élisée, avec toute son armée, cette bataillon qui l'accompagne. Élisée, sachant que le monsieur était malade, il va envoyer quelqu'un, de nom de Géasi, qui est un élève prophète. Il dit, va, dis à ce monsieur-là, pour sa guérison, il n'a qu'à plonger dans l'eau. Sept fois. Un, deux, trois. Et puis c'est fini de guérir. La Bible dit, Naaman fut irrité.
Fâché. Et lui, je me disais dans ma tête que il allait venir vers moi. Il allait me poser les mains pour me guérir. Mais pourquoi me demande d'aller plonger dans l'eau? Je suis malade. Il y a quel rapport entre la maladie et puis l'eau? Mais lui, c'est un homme de Dieu, pour qu'il prie pour moi. Mais il ne prie pas pour moi. Donc il est fâché. Écoutez. Le prophète ne fait pas ce que vous voulez. J'aimerais vous dire ça ce matin. Ce n'est pas ce que vous voulez que le prophète fait. Le prophète fait ce que Dieu lui demande de faire. Lui, il avait un cheminement dans la tête. Je sais que le prophète va poser mes mains, il va prier pour moi. Ça, je le sais. Mais il vient, ça prend une autre tenue. Le prophète dit, va, il banalise même la maladie. Donc il a refusé. Mais en temps normal, de toi et le prophète, qui est malade? Quand quelqu'un est malade, il accepte toutes les propositions. On dit va, plonge, tu seras guéri. Lui dit non. Chez lui, il y a l'eau, il y a papa, il y a la maman. Pourquoi lui va venir là, plonger dans l'eau de Jourdain? Oh, l'eau de Jourdain, c'est une expiration que Dieu avait donné son prophète. C'est cela que, quand vous n'écoutez pas les prophètes, vous êtes maudits. On ne voit pas Dieu. Les prophètes sont la bouche de Dieu. Nous sommes dans un gouvernement, du porte-parole du gouvernement. C'est tout ce que vous avez décidé là. Le porte-parole vient libérer ça. Il partait avec toute cette armée. Et lui, on dit, mais écoute, chef, mais fais ce que le prophète a dit. Pour être guéri. Ça fait quoi? Là, il dit non, le prophète, mais il y a un peu de foutaise. Il vient, il me salue pas. Mais il y a qu'à aller nager dans l'eau seulement. Est-ce que moi j'ai un nageur? C'est pour te guérir. Il a bien précisé. Et quand tu vas plonger dans l'eau, tu seras guéri. Vous savez, l'homme ne retient pas l'essentiel. C'est cela qu'avec Dieu, il faut retenir l'essentiel. Qu'est-ce que tu retiens de cette action? Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes dimensions de compréhension. Il y a des gens qui comprennent tardivement. Vous devez comprendre une seule chose, que je suis là pour que toi tu sois délivré. Donc je verrai l'action qui apportera la délivrance à la femme. Le prophète a dit à Élisée, Naaman va plonger dans l'eau. Mais quand Naaman a accepté, il a été guéri. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Toute fois que vous voyez un prophète, il fait des actions qu'on appelle l'action prophétique. Il y a des moments où on prie, il y a des moments où il faut faire des actions. Ce matin, nous sommes à l'heure de l'action. Pour détruire. Comme vous-même vous avez dit, les sorciers pouvoir parler et puis mourir. C'est ce qu'on va faire. Mais le jour où il parle, qu'il meurt, celui qui va faire ses funérailles, il meurt. Devant Dieu, devant le ciel et devant cette terre. Je ne suis pas prêt pour qu'on fasse un funérail d'un sorcier. On ne peut pas mettre l'argent dans les funérailles de quelqu'un qui a enterré toute une famille. C'est pas possible. Si tu dis de ne pas se repentir, il y a un temps pour toute chose. Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas la pratique qu'on appelle le pécheur. Or, la sorcellerie, c'est une pratique. C'est de pécher des crimes spirituels. Tout à l'heure, je vous ai demandé qui voulait changer. Personne ne s'est levé. Sauf la fille. Ne jouez pas ça. Peut-être que Dieu a attaché ton cœur pour te tuer. La décision qui a pris le chef vient pas de lui. Vient du monde de Dieu. Il y a des décisions. Ça, c'est encore plus intéressant. Mais le jour où on dit le monsieur ou la femme a parlé avant de mourir, et puis vous mettez bâche pour faire les funérailles, vous tous qui allez organiser le funérailles, vous mourrez aussi.
Vous m'avez invité, je ne vais pas comme vous voulez. Vous avez dit pour vous, non? Et voici la décision de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire funérailles de quelqu'un qui vous a mangé tout le temps. Il vous a détruit tout le temps. Aujourd'hui, on ne s'est pas déplacé pour venir jouer ici dans le village. Nous sommes venus mettre fin à l'histoire. Il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. On est d'accord avec ça? Pourquoi la main là, c'est petit maintenant, ralenti? Pas attraper, mais lui va vous attraper. Un mois, deux mois, trois mois, vous allez voir. Je fais confiance à la puissance de Dieu. Je fais confiance à la puissance de Dieu. Nous avons délivré beaucoup de villages. Beaucoup de familles ont été délivrées au travers de nos mains. Beaucoup de sorciers sont morts. Je suis allé filmer le corps des sorciers. Moi, je filme. Il allait manger les reins de sa fille. Comme rognon. Il veut faire rognon. Pour manger ses pains. Je dis, non. Diallo qui va au rognon là, tu vois pas ça. C'est le rognon de ta fille, tu veux manger. Elle a commencé à s'enfler. Je lui ai dit, je ne te soigne pas. Parce que pour moi, la maladie, la société est une maladie. Le jour, il est mort, j'allais le filmer. Moi je ne suis pas la sorcellerie. Amen. Aujourd'hui, c'est vous d'être fini. J'ai une femme toute chose. Il y a des gens à qui Dieu a donné la connaissance de fabriquer l'arme chimique, n'est-ce pas? Comment ils ont fait pour dire cette bombe là, c'est arme chimique? Cette formule là pour fabriquer là vient pas de l'homme, c'est Dieu. Donc j'ai cette connaissance. Tu es sorcier. Si tu es sorcier, en vente, comme la petite fille, tu vas mourir. Donne-moi l'huile. Viens. Lève-toi. Mets-toi ici. On est d'accord avec cette pratique-là? Oui. Allez, en tant que parent de la famille, vous avez trop de problèmes. Il faut expliquer ça. Ça, c'est la bombe chimique. Mais il faut parler, chef. C'est ta parole là, qui rend la bombe chimique. Bambaoulé, c'est bon. Si c'est Bambaoulé, c'est pas Bambaoulé. La fille à Neki. Il dit à partir d'aujourd'hui, Baé, ceux qui sont sorciers, ceux qui fouet. Ceux qui tournent autour. Qui veut prendre une tribu pour manger. C'est ça qui veut du mal. Pour gâter leur travail. Pour gâcher leur école. Ne pas qu'ils puissent tout travail. Et puis se marcher. Qui commence à construire, qui ne termine pas. Quand on dit fini de fréquenter, il n'a même pas du travail. Il devient sourd. Il se promène comme ça, vagabondage. La personne. Toi, Dieu, tu connais la personne. Travaille dans ce bois. Que ça te coûte. Ça donne la méditation. Que le sorcier là, il meurt. Qui n'a pas droit à un funérail. Celui qui va faire un funérail dans la famille, qu'il met aussi. Ceux qui sont sorciers. Qui tuent les gens. Ils sont même pas guéris. Ils sont malades. Tu sois guéri.
Bah, il m'a ou non. Il s'est payé le nom des sorciers. Il s'est offert. Ah, Jésus. Annie, yo. Que le sanguin. Non, qui le tue. Faut prononcer les mots tels qu'ils sont. Faut pas avoir peur des mots. Jésus. Bla, fais sauf bla, qui s'offre. Parce qu'on est d'accord, c'est lui d'accord. Ah ouais. Vous faites une action, donc on est en tête d'accord. Jésus, on se bat et fouille. Même si c'est moi qui suis dedans. C'est mon beau. Mon fils est dedans. C'est moi ou nous. Ma soeur est dedans. Un membre de famille est dedans. Ça prend pas où se bat et amen. Amen. Nous venons de finir notre formule. Nous prenons la parole. Je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu. Dans Jean le chapitre 1. Moi, Jean. Écoutez très bien. Jean le chapitre 1. Jean, vous allez voir ça. Alors, l'évangile de Jean le chapitre 1. Et Jean. Au commencement. Et au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Ont été faites par elle. Alléluia. Et rien. De ce qui a été fait. N'a été fait. Sans elle. Alléluia. Amen. Rien ne peut se faire sans la parole. Rien. C'est ça que la parole est une puissance. On dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Rien ne peut se faire sans la parole. C'est la parole que nous avons utilisée ce matin pour commencer. Mettre fin à la sorcellerie. Hein? Mais c'est tout. Celui qui va marcher dedans, qui va traverser les sorciers, il s'en va, hein? Faut parler. La personne qui est. Ça n'a pas été fait. Même s'il a envoyé quelqu'un en fétiche, il s'en va. Ça n'a pas été fait. Ah, il va coller les gens. En tant qu'homme de Dieu, je cautionne cette action. Selon Dieu, nous mettons fin aux œuvres de la sorcellerie dans cette famille. Enfin, si j'avais quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie, qui va dépasser, traverser cette action, que ça soit un jugement sur sa vie. Qu'elle parle et qu'elle meure pour que la famille soit en paix. Et si elle meurt, personne ne doit faire ses funérailles. Celui qui va faire ses funérailles, il l'accompagne. Amen. Mettez-moi à revenir. On parle d'abord, le vieux. On parle un peu, on traverse. Dites au vieux qu'on ne se justifie pas. C'est là où on ne doit pas se justifier. Ici, là, on se justifie plus. Amen. Allez, vous asseoir. Venez. Si je suis un sorcier, que je passe sur cette île-là, que je tombe, que je meurs. Allez. Si je suis sorcier, que je passe sur cette île, que je meurs. Avant la fin d'année, ajoutez ça. Si je suis sorcier, si je passe dans l'île, là, je meurs. Avant la fin d'année, ajoutez. Avant la fin d'année, je meurs. Je suis un sorcier, je parle dans cette île, que je meurs avant la fin de cette année. Si je suis un sorcier, si je passe dans cette île, que je meurs avant cette fin d'année. Dis pas vrai, après un an, regarde. Dis pas vrai, dis pas vrai, je m'en suis bon malin, je m'en fous dans l'amour. Si je suis sorcier, que je tombe à la fin de l'année. Tu le traverses ça. Si je suis sorcier, si je traverse cette pluie, que je tombe avant la fin de l'année. Elle a bien parlé. Dieu a bien de parler. Il y a un jour, c'est un petit peu de fouet, c'est un 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 peu
Et si il meurt, quoi on fait mes funérailles? Ça t'es pas baïfoué. C'est un point qui est un qui baïfoué. Il va traverser pour lui. C'est le sorcier. C'est un qui a baïfoué. C'est un qui a baïfoué. Si elle n'est pas sorcier, la veste. Moi aussi, moi. Ça te bat, baïfoué. Ça te bat, baïfoué. Nous pouvons nous unir. Manto, ça te bat, baïfoué. La mienne boîte est du bois. Si elle n'est pas sorcière, lui qu'elle va traverser, que soit délivrée. Merci, elle est sorcière. Elle n'est pas délivrée. Qu'elle meurt. Venez, on s'en va, la famille. Mettez-vous à rang, le bloquant, avant le mot. On vous dit toute la famille, c'est la case, avant vous vous appelez. Voici, je suis sûrement sorcier, à travers cette ville-là, où je meurs avant la fin de l'année. Si je suis une sorcière, à travers cette ville, et je meurs avant en 2017. Je suis une sorcier. Je travaille cette ville. Je suis sorcier. Si je suis une sorcière et que je traverse cette huile et que je ne vois pas la fin de cette année. Ça va? Moi je viens, tu ne me salues pas. Tu ne me connais pas. Viens ici. Stop. Viens. Où toi et moi on se connaît? Chez nous, l'étranger, écoute-moi très bien. Chez nous, un étranger c'est un roi. Si toi tu ne sais pas ça, tu es venu chez moi. Je t'ai hébergé. Je t'ai délivré. Je suis venu ici. Tu allais me saluer? Je te demande. Tu n'aimes pas ma tête? J'ai appris dans le village, on dit que ce que tu as dit à Divo là, tu as dit non, tu as renoncé à tout ça. Laissez-moi régler mon problème. Ça, ce n'est pas vous maintenant. Ça, ce n'est pas vous. C'est moi qui j'en ai réglé. Quelqu'un n'a pas venu parler.
Vous parlez, confessez, après vous dites qu'on vous a forcé. Et je vais avant la fin de la vie. Si tu sortis de mourir à la fin de cette année, tu es pas dans cette vie. Senti bai fwe ngo ngasi na ne vous traque. Ne vous Senti bai fwe na fwe no ya. Senti bai fwe na fwe no ya ma ou. Senti bai fwe na fwe ya ma ou. Pendant que vous traversez, c'est une purification en même temps. Et moi, je suis là. 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 Bon, c'est un petit peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est lui la star du village. C'est le meilleur danseur du Côte d'Ivoire. Le meilleur danseur. C'est un petit peu de temps. Va là-bas. Hé! Va là-bas. C'est la voix de qui? Donne-moi des œufs, l'huile. Donne-moi les huiles qui sont là-bas. Faites-moi sortir. J'ai tout ça là-bas. Nous sommes venus. Eh, Baloua. J'ai fait mon travail. Voilà. Voici un pouvoir qui était dans votre famille. Ça. Je fais mon travail, je suis allé à l'essentiel. Voilà, c'est ce qu'on prend pour vous contrôler. Voilà, donc moi j'ai fait mon travail. Et hier ça devait me tuer. Bon, j'ai pris le risque, je suis allé détruire ça. Généralement je déteste les choses. Mais aujourd'hui là c'est autre chose. Donc j'achète. Ouais, vous bien regarder. Ici là, il y a trop de vilaines choses. Voilà. Nous avons détruit ça. Quand nous entrons dans une famille, le fétiche est là. La sorcellerie, ils ont caché là. C'est ce qu'on détruit. Si c'est délivré, la famille est délivrée. Nous ne devons pas seulement prier, mais on détruit le fétichisme et toutes les pratiques de la sorcellerie. Vous tous, j'avais fait ça. Quel derrière ça, tous les sorciers. Je vous envoie dans la tombe. Ce matin, je déclare la famille délivrée. Nous, on n'adore pas les fétiches. Amen. Et que la sorcellerie soit détruite. Et que le pouvoir des ténèbres soit détruit. Je prophétise la mort sur la sorcellerie. Vos œuvres, ce que vous avez fait dans cette famille, enfin, vous n'allez plus contrôler la vie de cette famille. Tous ceux qui ont été cachés quelque part, j'ai détruit ça au nom de Jésus. Chers de famille, chacun a son don. Moi, quand je rentre quelque part, ce qui est là, qui fait des choses, c'est ce qu'il y en a. On a fait mon travail. Ça a failli, ça m'a blessé même. Moi c'est mon don. S'il y a un petit tout sur toi, c'est comme à l'entrée du village. Il y a quelque chose qui est fait là-bas.
Ouais, il y a quelque chose qui est fait. Cette année-là, il y a 5 personnes qui allaient mourir chez vous. On a réglé ça. Il y a beaucoup de personnes attachées dans le village. Quand je me suis levé de mon lit, j'ai prié pour le village. Mais, retenez une chose, Jésus vient de vous délivrer. C'est fini. Le problème dont vous vivez, ça peut ne pas le faire. Laissez Dieu faire son œuvre. Comme vous avez décidé qu'ils tombent, ils tomberont eux tous. Ils tomberont eux tous. Ils tomberont eux tous. Avant la fin de cette année, on ne parlera plus de la sorcellerie dans cette famille. Sauf cela que ce matin, je vous bénis. Vous quittez ce programme. Vous partez avec le bonheur. Le bonheur doit vous accompagner. Le bonheur doit vous accompagner. Le bonheur doit vous accompagner. Dans vos familles, dans vos foyers, ceux qui n'aviez pas se marier doivent se marier. Recevez la grâce de Dieu. 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 C'est pas mal.
Yeah.
famille est délivrée dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Anefsa à jamais. La main de Dieu sur vos vies. La grâce de Dieu. Je vous conseille d'accepter Jésus-Christ et de marcher avec lui comme sauveur et Seigneur personnel. Chef de famille, oui. Non pas l'intention. C'est bon la puissance de Dieu pour la restauration de votre famille. Celui qui a une parcelle de terre, qui veut construire, s'il vous plaît, normalement, vous lui donnez un peu. Celui qui est malade, vous lui donnez un peu. Vous distribuez aux gens, ils n'ont qu'à partir avec ça. Chacun n'a qu'à voir un peu. C'est la puissance de Dieu. Vous pouvez mettre ça dans votre pommade. Vous pouvez mettre ça même dans la nourriture. C'est une onction particulière si vous, vous ne devez plus être la même personne. Vous devez prospérer. Donc la prospérité accompagne cette action. La guérison accompagne cette action. La victoire sur la maladie. La victoire sur les ténèbres accompagne. Que Dieu bénisse. Sur cette huile. Voilà, vous remercie à la famille. Au nom de M. Bertin Kwayo et sa charmante épouse, au nom de toute la famille, au nom du village tout entier et à mon nom personnel, nous venons adresser nos sincères remerciements. Des sincères remerciements au prophète et à toute sa délégation. Nous disons un merci particulier à l'orchestre, vraiment, qui nous a donné une gaieté pendant toutes ces soirées, toute cette journée. Je vous remercie. Mais nous sommes en Afrique. Quand vous recevez un invité de marque, avant de partir, faut qu'il trouve un symbole. C'est ce titre que nous avons décidé d'offrir un bélier au prophète. Un païen baoulé. Comme ça, papa, vous voulez baoulé. Comme il a bien dit, il a toujours parlé de Djumbré et son igname. Alors, nous avons trouvé un peu d'igname. Des grâces, pas qu'il fasse bouillir, qu'il fasse pouf. Alors, voilà ce que nous tenons à dire au prophète. Et il y en a un meilleur.
comme vous le savez, j'aime bien m'habiller en pays africain. Et le bélier, c'est un symbole de force. C'est un symbole très fort. Merci beaucoup pour cette présence. Mon chaud au cœur. Vous m'avez honoré. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Ce que vous m'avez fait, vous l'avez fait en qualité d'homme de Dieu parce que je suis un homme de Dieu. Et en retour, Dieu vous bénisse. Et en retour, Dieu vous accorde la paix. Et en retour, Dieu vous accorde la gaieté. Que Dieu restaure vos familles. Soyez bénis. Je me présente avec un cœur rempli de joie. Chef, le prophète dit qu'il reçoit tous ses présents de tout son cœur, la sûreté. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je travaille tout à l'heure 18h, donc je suis obligé de vous dire un au revoir, mais c'est pas un adieu. Je reviendrai pour les témoignages et ça c'est pour très bientôt. Sinon qu'on garde le contact, je suis à Divo, juste derrière la Sainte Pièce. Notre mission c'est de mettre les gens ensemble, mais en même temps détruire les œuvres de la sorcellerie. Quand tu as problème d'appendicite, c'est le chirurgien qui t'opère. Quand tu es une femme, on dit va voir le gynécologue. Nous sommes une brigade et nous luttons contre la sorcellerie. Il faut que les sorciers vous lâchent des gens. Il faut que les sorciers vous lâchent. Oui, nous nous battons contre eux. Avec la toute dernière énergie. Et la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Et j'ai béni ce village. Au nom de Jésus. Alléluia. La première décédée, aussi, Mère Marie aussi, là, j'ai dit merci à Dieu, parce que mes frères, ils sont en bas dans le monde. Et quand j'arrive au village, et quand je vais demander, et les gens se moquent de moi, et les gens, toi, tu aimes te prier, tu es ma soeur, et j'ai dit à Dieu, viens, j'ai fait ce masque, et dis à Dieu, que un jour, dans ma famille, que un homme de Dieu arrive dans cette famille. Que je suis les mots passés par là, et si j'ai l'argent, c'est fini. Ou bien ma grand-sœur a été malade, et dans l'hôpital avec elle est décédée. Pour mon argent, papa, si j'ai 100 000 francs, et je ne peux pas le faire. Et je dis à Dieu, un jour, j'avoue un l'un de mes serviteurs dans ma famille, pour voir nous guérir. Et j'ai dit à moi que cette année 2016, elle a dû. C'est en novembre ou en décembre, il y a le mort dans ma famille, côté maternel, et ce soit côté maternel. Et je dis à Dieu, je vais seulement dire à Dieu, que cette année 2017, on va rentrer dans l'année avec la grâce, le bonheur. Et moi, ma grand-mère prononçait, alors si ma vie, parce que tellement que mon papa m'a été maman, on dit que les filles en haut, je vais se marier. Et cette année 2016, le pasteur a donné un moment, et quand j'ai payé, j'ai vu mon alliance était dans la main d'une femme qui souriait pour me dire que voici ton alliance. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que je sais que je serai